La police a dispersé vendredi des manifestations contre la tenue du dialogue politique en RDC. Ces discussions sont marquées par l'absence de certains poids lourds de l'opposition qui réclament entre autres le changement de médiateur et la libération de certains prisonniers politiques. Ces partisans de l'opposition souhaitent l'annulation pure et simple de ces travaux. Moi, je parle en qualité d'étudiant. Il n'y a aucun espoir. Tout ce que Kodjo est venu faire dans ce pays, c'est chercher à donner une prolongation, faire un dialogue qui sera découlé à une transition, à l'issue de la transition, pour que Kabila ait encore la possibilité, le pouvoir de briguer encore deux mandats. C'est pourquoi nous disons non. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour que nous puissions ensemble barrer la route à Kodjo. Il n'y aura pas de dialogue pour nous. Alors que la tenue de cette élection apparaît impossible dans les temps, ce forum dirigé par le facilitateur de l'Union africaine, Edem Kodjo, a pour objectif de trouver un consensus pour la sortie de crise en RDC et permettre la tenue des prochaines élections. Les organisateurs de ce forum ont suspendu les travaux, ils reprendront lundi.